7h du mat, nous on joue à ça. Oh. Oh, presque. On sait pas du tout comment ça marche. C'est ça? Ouais. Vas-y maintenant, non, ça. Comme dans les films. J'ai perdu. Voilà la différence avec hier soir, hein. C'est franchement fou. Nous on se lève et là tous les gens que vous voyez, bah en fait ils rentrent de soirée, hein. Et voilà notre petit déj avec la vue sur le casino. Bon, si on n'est pas coupé par le GPS, c'est juste pour vous dire qu'on va faire du shopping. 15 North. Construction is recorded on I-15. Sur ce, on va faire du shopping. Voilà ce que c'est un mall américain. Tout est ouvert et tout est moins cher. Cheesecake Factory. Alors, pour ceux qui regardent Big Bang Theory, c'est où travaille Penny. Et non, c'est pas que des cheesecakes. Il y a aussi à manger. Bon, on est très déçus par le shopping. C'est beaucoup moins bien que l'année dernière quand on était en Floride. Ouais, on a quand même trouvé des pantalons ladies, des bijoux, etc. Mais franchement, pas top. Donc après, on va aller chercher un peu d'autres magasins. Tous les cheesecakes qu'ils ont. Et hop. C'est quand même fou. Ça, c'est du cheesecake. Regardez à côté de la main. Genre. Ah, regardez ça. Ça, ça veut dire pour boire. Il faut laisser de ça à ça. Regardez, il y a une petite chapelle. Bon, il y en a de partout à Vegas, mais là, il y en a qui se marient. Regardez où on est. C'est le show à la télé sur D17 et D8, je crois, avec Chumley, etc. La, 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 la. On a vu Chumley. Et on a vu aussi un expert là, je sais pas, on sait pas son nom, mais celui habillé en rouge avec le chapeau. Je vous mettrai les photos, donc on le voyait en même temps en vrai. Et sur la télé. Et pareil, Chumley, donc en fait ils ont fait un petit shop en face. Donc il a un magasin de bonbons, mais on peut le rencontrer. Et je vous mettrai les photos aussi du magasin, c'est vachement sympa. On peut acheter des choses, soit voilà des vieilles choses antiques, vraiment que les gens ont amené comme dans le show télé, soit des petits porte-clés, etc. On pouvait pas filmer. Hein. Et c'était cool. Et là, et ben, on se balade. Oui. On se balade, on va essayer de voir sur un peu de magasins. Et après, on ira au Vieux Vegas. Alors là on est rentré chez Hot Topic, donc c'est super connu pour tout, donc il y a plein de choses, Harry Potter, Disney, il y a des séries, c'est un truc de fou. Oh. Wow. Regardez. Wow. Oh. Je meurs. J'ai craqué. Oui, j'adore cette série. Et les petits bonhommes là. Et la casquette. Si vous regardez Stranger Things, vous comprenez. On a fini le shopping. On a racheté des produits Bath & Body Works. Je vous montrerai tout dans le hall de toute façon. J'ai acheté mes petits vêtements Stranger Things et j'ai trouvé une pop aussi Stranger Things rare.
ben c'est parti pour le vieux Béas. Juste cette pub assez marrante. Regardez, si vous voulez un avocat à moitié prix, c'est ça. Lawyer, ça veut dire avocat. Ouais. C'est assez sympa. C'est sympa. Voilà, au cas où. Hein. Alors dans l'hôtel Golden Nuggets, il y a un aquarium avec des requins et un toboggan au milieu. Oui. Donc vous pouvez aller nager là. Hop, vous passez là avec les requins. Normal. Et voilà la pépite d'or. Donc c'est la deuxième plus grande au monde. Elle a été trouvée en Australie. Et c'est effectivement quand même... une petite pépite d'or. Alors là, c'est un resto où je voulais aller, mais on va pas trop rester parce que ça fait un peu peur, downtown. Il y a beaucoup de personnes droguées et c'est un peu... Bref. Donc en fait, les gens sont déguisés en patients et c'est des infirmières qui servent. Et quand tu finis pas ton hamburger, eh ben c'est ça qui t'arrive. Voilà. On est rentré à l'hôtel. Fatigué. On s'est vite échappé du vieux Vegas. On a été coupé par un monsieur dans l'ascenseur. Donc en gros c'est mal fréquenté le vieux Vegas. Donc on est vite parti, on est de retour à l'hôtel et voilà, on va manger et c'est mieux. On va manger là en mode New York dans notre hôtel. Et voilà. Miam miam miam. Oui, on est que deux à manger. Oui. Donc c'est dans le magasin de l'hôtel bien sûr. On va jouer un petit peu. On a mis les sous dessus et on peut jouer à tout ce qu'on veut. On a fait ça et c'est Michel qui a gagné, même si je suis triste de le dire. Ouais. On a fait ça et c'est moi qui ai gagné. Ça y est, la journée est finie. On est capote. Et on rentre à la chambre. Oh, il y a quelqu'un qui a fait un room service. Demain matin, donc on va tirer à l'arme à feu. C'est normal en fait ici, il y en a un peu à tous les coins de rue. Donc c'est sympa. C'est pas très cher, on va tester. Et demain après-midi, bah, on fait le strip, on fait une partie du strip. Donc voilà, on est à notre chambre. Capote. Il marche pas. Ça marche. Et voilà, on fait une partie du strip demain. Donc je filmerai tout ça. À demain. Ça y est, on va prendre la petite voiture. Pour aller faire les armes à feu. On précise qu'on est contre les armes à feu, contre les animaux, contre les personnes. Mais quand c'est bien entouré, avec des militaires, etc. Non, on est contre les armes à feu. Mais quand c'est bien entouré, on n'est pas contre les animaux et les personnes. On est contre les armes à feu, contre. Vous voyez ? Mais quand c'est bien entouré avec des militaires, là c'est des vétérans en monde. C'est trop bien. Ça y est, on est arrivé. On attend notre tour.
c'est ouf. C'est ouf, ouf, ouf. Donc c'est encadré par des militaires, hein, donc voilà. Ne pas faire chez vous. C'est fou. C'est impressionnant. Ici, il n'y a que 8h30, il y a déjà genre 20 personnes. C'est vraiment quelque chose de normal ici de faire ça. C'est étonnant. How'd you like that? Wow, it's crazy. Not that bad, right? Yeah. Okay, hold it. This. Put your cheek down. And? And? Bring your head down. Get yourself set up real quick. Hand block for you. Wow. Turn you got 9 more bullets in that magazine. Really? Uh-huh. Whoa. C'est là. Wow. Bien réussi ça. Ils ont des tanks et des hélicoptères de l'armée. C'est impressionnant. Regardez. C'est impressionnant. Tous des véhicules de l'armée. Il y a même un tank ici que vous pouvez conduire, mais c'est très 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 cher. C'était super. Vraiment, ils sont super pros, super gentils. Vraiment, ils t'expliquent tout. Parce qu'on n'avait jamais fait ça. Donc, ils t'expliquent vraiment tout. Ils t'aident. Et c'est vraiment. C'est super puissant. Surtout les plus grands, donc qu'on doit tenir avec l'épaule. Shotguns. Ouais, les shotguns. C'est un truc de fou. Franchement, en plus, on a été bonnes. Hein, il nous a dit qu'on a géré, qu'on est des moi, dangerous women. Moi, j'avais plus de cibles. Mauvaise. Et ouais, on les a en souvenir, donc c'est cool. Vraiment, on est super contente. Là, on va retourner les voir pour dire qu'on veut rentrer à l'hôtel. Ils nous ramènent tranquille. Et c'est fou quand ils nous conduisent. Ouais, quand ils conduisent dans la voiture, malheur, c'est impressionnant parce qu'on est à l'air libre et pff, on s'envole avec. Vous mettrez le lien, de toute façon, vraiment, ils sont super, super, super. Parce qu'il y en a plein à Vegas, mais eux, ils sont vraiment au top. Ça y est, on a retrouvé notre voiture. J'avais même pas porté l'appareil photo tellement que j'ai mal à l'épaule. Ça a une puissance de fou, c'est impressionnant. Donc là, ben, on prend la voiture et on va sur le strip. On va à la fin du strip. Donc on va se garer au Mirage et puis on va faire voilà les hôtels autour, le Mirage, Treasure Island, Venetian, voilà. Et on va filmer tout ça. Ça va être super. Venetian, on va y aller tout à l'heure. En fait, c'est le plus grand hôtel du monde. Donc, il y a le Venetian et le Palazzo, donc qui ont été regroupés. C'est impressionnant.
Et voilà notre resto pour ce midi avec la vue sur Venise et sur les gondoles. Regardez ça, c'est un faux ciel, c'est faux, on est dedans. C'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est fou. C'est la folie. Il est trop beau cet hôtel. Pour ceux qui aiment Stranger Things, il y a tout! C'est plus gros que moi. J'ai craqué, j'ai pris 11 de Stranger Things. Et j'ai pris ça. On peut avoir tout cela. Donc on va voir, je vais l'ouvrir. Oh non. Oh non, il est trop beau. Oh, il est trop beau. C'est tout. Une boisson française, Paris Baguette, avec une belle vue. Regardez-moi ça. Là, c'est le pont Rialto de Venise. Magnifique. On va pouvoir marcher dessus. C'est trop, trop beau. Vraiment magnifique. On est sur le pont. Et bien sûr, on marche pas à Vegas. Hein. Il y a que des tapis roulants. C'est bien si on est fatigué. Trop beau. Flamingo, c'est où il y a des flamants roses, c'est le premier hôtel à Vegas. Et d'abord on va aller là-bas voir la grande roue. Alors là, on est au Forum Shop. Donc c'est de César Palace où il y a Céline Dion, mais c'est à côté en fait, c'est que des magasins. Et ça, c'est une reproduction de la Fontaine de Trevi. Normal. Ouais. Ça, c'est un écran. Ah, Céline Dion. On y va demain. Et tout ça, c'est un écran. Ça, c'est dedans. C'est des escalators en colimaçon. Et je crois que c'est un des rares endroits au monde, il me semble, où ça existe. C'est un truc de fou. Et c'est que des magasins. Regardez ça, c'est des bancs et des sièges. Impressionnant. Et coucou, je vous retrouve avec mon ami que Michel m'a acheté, beaucoup trop chou. Donc vu qu'on est à l'hôtel New York, voilà. Ouais, je me retrouve là, je vous ai abandonné sur le strip. Donc on est rentré à l'hôtel, on a encore un peu joué, je vous ai pas pris, mais au petit jeu là qu'on a fait hier.
Et c'était super. Et là, on se fait un petit repas dans la chambre. Là, Michel est allé chercher des pâtes là où on a mangé hier. On a mangé hier la pizza. Il faisait des pâtes, donc on peut prendre à emporter. Donc on va se prendre des petites pâtes. Ça va faire du bien. Comme ça, on se repose, on regarde notre série. Et voilà. Et demain, donc demain on refait le strip, enfin on n'a pas tout fait en fait aujourd'hui, hein. On fait, donc on finit les hôtels demain, et demain soir Céline Dion, le concert de Céline Dion, ça va être super 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 super. On se retrouve demain, bye bye.